Nous avons appris la triste nouvelle, le rappel à Dieu du Père de la nation. Je dis Père de la nation parce qu'après au fouet, c'était Bédié, notre génération, c'était Bédié. Et c'est une triste, triste nouvelle. Et ça nous a frappé franchement parce que au moment où nous sommes en train de réconcilier les Ivoiriens, et il est le catalyseur même, si on veut voir, et puis bon, voilà que Dieu nous l'a rappelé. Et tout compte fait, c'est une nouvelle ce matin qui, nous pensons que toute la Côte d'Ivoire va franchement être dans une tristesse totale. J'ai eu à dire à un moment donné qu'il n'y a pas homme de paix plus que le président Bédié. Nous avons évoqué la dernière fois le coup d'État de 99, gracieusement, c'est-à-dire de façon paternelle. Il a voulu sauvegarder la Côte d'Ivoire. Il est parti sans poser d'opposition, sans organiser son armée, parce qu'il voulait la paix pour ce pays. Il a toujours été là pour la paix. Et maintenant, son esprit de paix, sa façon de gérer la Côte d'Ivoire comme étant une nation où ses enfants, la paix était importante pour lui. Et nous appartient, nous maintenant, partis politiques, ivoiriens, femmes et hommes, de se rappeler de lui, de ce qu'il voulait de faire de la Côte d'Ivoire. C'était un pays pacifique. Et que son esprit nous habite et qu'on cherche par tous les moyens, à pouvoir retrouver la paix sans lui. Mais il est avec nous, il est dans nos cœurs, il n'est pas parti. Nous nous rappellerons toujours de lui. Nous, au niveau du renouveau démocratique, il est un modèle pour nous. Nous espérons et prions pour qu'il soit un modèle aussi pour toute la Côte d'Ivoire.